Salut tout le monde, on est reparti, Prismagora TV et Tomokai, l'alliance ultime, la fusion avec les Potara pour la continuation de l'apprentissage du japonais. Et aujourd'hui on va également parler un petit peu bouffe, parce que le Japon c'est haut en goût et en couleur. Et on va aussi un petit peu commencer à avoir des rudiments de formules de politesse ou des petites choses qu'on a pu entendre dans des mangas. Et qu'on aimerait pouvoir, premièrement, comprendre, et deuxièmement, pouvoir redire. Moi, j'ai capté que ma boulangère était personnellement japonaise, donc j'ai commencé à lui balancer un petit matané, comme tu nous l'as appris, Julose, la semaine dernière. Dis-moi un petit peu comment tu te sens aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de nous transmettre, et dans quel mood tu es? Écoute, déjà, salut à tous, hein. Moi, konnichiwa, comme on dit chez nous. Konnichiwa. Et bah écoute, le mood un peu Ouais. fatigué, mais toujours motivé pour les cours, toujours. Eh ben oui, il faut. Tiens, par exemple, Konnichiwa, ça s'écrit comment? Konnichiwa. Donc tu peux l'écrire en hiragana, Donc konnichiwa. tu as le ng qui est entre le ko et le ni, alors, c'est ça? Ouais, konnichiwa en fait. Alors, Et attends, je vais. comme tu as deux N, en fait tu prononces konnichiwa. Lui ressemble, sauf qu'il a, ouais, voilà, à l'envers. Ah, je mets le N avant. Ouais. Ok. Où est mon chiffon? Attends, Ah, ton. j'ai pas appris la ligne des oies encore. Alors. T'es trompé dans ton ko. Ah bon? Ouais. Y a pas la barre à gauche, en fait, verticale. Ah oui, elle est un peu plus petite, ouais. C'est deux horizontales, en gros. Comme ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Et le l'autre, c'est ça. Kon Nickel. ni chi TCHI alors? Ouais, c'est ouais. Non, c'est CHI. CHI? CHI. Le chi, tu le connais le chi? C'est celui-là, non? Normalement. Ça, c'est le ki. CHI. Ça ressemble à un 5. Voilà. Ok. Konichi, Et le wa, je wa. connais pas. Ok. Ouais, il n'est pas très dur, le wa. Ouais, pas dur. Hein. C'est pas le plus simple du plateau non plus. Hein. Oh, ça va, je trouve. Donc, je sais pas si on voit, mais donc, Konichiwa. S'il faut vraiment décomposer, c'est un petit peu à ça que ça ressemble. Donc, écoute, moi, Voilà. ce que je te propose, c'est que je te laisse parler et moi, je vais évidemment essayer de voir de montrer mes progrès qui ne seront peut-être pas aussi fluctuants que ceux de la semaine dernière parce que j'ai bien eu moins le temps, mais je vais quand même me prêter à l'exercice. Je vais te laisser un petit peu parler de ce que tu veux et pendant ce temps, j'écris l'alphabet dont je me souviens en tout cas. Tu vas nous faire tous les hiragana. Non, 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 pas tous. Non, techniquement, je pense que je peux arriver jusqu'à mo. Donc, a, ka, sa, ta, a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko, sa, shi, su, se, so, ta, chi, tsu, te, to, C'est déjà pas mal. ha, hi, hu, he, ho, et ma, mi, mu, me, mo. Ha, hi, Déjà pas mal. fu, he, ho. On va voir, ouais, si j'y arrive. Si tu sais faire ça, t'es bien. T'es bien. Donc vas-y, je te laisse, je t'écoute et je pose des questions en même temps. Ok. Je surveille de très près. Ah, la pression. Fait. Est-ce qu'on voit ce que j'écris là? Ouais, on voit. Ah, mais un peu plus à gauche, ouais. Tac, ok. Nickel. On voit. J'ai déjà un bug. Vas-y, parle là, me mets pas la pression. Je regarde. Fais gaffe parce que la semaine prochaine, c'est l'interro, hein. Rigole pas le prof là. Ah. Non mais en vrai ça c'est important mais quand tu écris sur le téléphone je pense on avait parlé la dernière fois quand tu écris sur téléphone PC et tout aujourd'hui t'as plus besoin en fait de savoir les tracés et hiragana parce que T'es en train de t'as me un dire que ça fait clavier 3 semaines que j'apprends pour rien?
Non, mais on va dire au jour le jour, quoi. Vu que tu as un clavier virtuel et tu vas mettre tes hiragana, et il va te les transformer automatiquement en kanji, en fait. Donc, et c'est pour ça, je crois que je l'avais dit la dernière fois, c'est pour ça qu'au fait, au Japon, il y a tellement de kanji en plus que les jeunes, surtout, ils ont tendance à oublier certains kanji. Donc, c'est une langue qui. C'est bizarre, hein. Ben, je pense que si on faisait un test aujourd'hui, je sais pas si on m'entend bien, je pense que si on faisait un test aujourd'hui en France, on se rendrait compte que les gens, peut-être, ont une écriture plus aussi appliquée qu'à l'époque, ou tu vois ce que je veux dire? Comme il y a le Je correcteur et tout pense. aussi, à mon avis. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème hein, qu'ils ont, quoi, à cause de ça, que il y a des kanji qui s'oublient. Donc tu Et voulais... alors, par contre, Ouais, pardon, vas-y. si tu veux maîtriser des kanji, il va falloir un peu plus de temps pour les kanas. Ouais, pourquoi? On va dire que pour parler couramment, à peu près 1000, enfin pour lire couramment, tu en maîtrises à peu près 1000. Allez, 700. Ouais. Genre, combien tu crois qu'il faut de kanji à maîtriser pour pouvoir aller dans le pays et apprendre la langue sur le tas avec la base que tu as? Tu vois, typique, si je prends l'exemple de l'allemand, où t'es en mode ouais ok si je sais dire si je sais me présenter me dire un petit peu ce que je fais où je vais pourquoi je suis là et qu'ensuite je sais dire wie sagt man ou alors how do you say that pour l'anglais je vais pouvoir développer mon vocabulaire sur place tu vois en montrant du doigt en expliquant un peu le truc et du coup Ouais. pour je pense que ouais, aujourd'hui, il y a les techniques qui permettent d'apprendre une langue, au moins sa base, à partir de laquelle tu peux apprendre la langue dans le pays, en sachant au moins demander comment on traduit et comment on obtient une info, tu vois. Oui, ça c'est franchement pour l'oral, tu peux te débrouiller assez vite. Et après, bah même pour les kanji, en fait, il y a bon, ça on verra plus tard parce que c'est assez technique. Mais dans les kanji, tu vois, en fait, tu as des clés de kanji, on appelle ça des clés, qui sont communes, en fait, à plein de kanji. Et après, c'est juste des variations. Donc, en fait, voilà, si tu connais les clés de kanji, tu arrives assez rapidement, entre guillemets, à apprendre les 500 kanji, voilà, de base, on va dire, qu'il te faut pour savoir lire 700, 500, 700, pour Ouais. savoir lire à peu près couramment, quoi. OK. Mais bon, tout ça, c'est pour la lecture. Il n'y a pas de secret, les kanji, c'est un peu comme les kanas, voilà, faut charbonner, quoi. Tu Ouais. prends, bah là, j'ai sorti mon plus beau livre. Donc ça, c'est un livre qui est pas mal pour apprendre les kanji. Ok, tu recommandes alors? Ouais, je recommande. Je recommande, ça coûte 16 balles. J'ai 16 balles. Ok. Et c'est Kanji Kakitai. Voilà. Et donc avec ce livre-là, vous avez les, on va dire, les kanji de base, en fait. Une fois que vous avez fini le livre. Alors parce qu'en fait, le niveau de japonais, en fait, s'appelle le JLPT. C'est un examen que tu passes. Et tu as le JLPT du 5 jusqu'au 1. Donc niveau 5, 4, 3, 2, 1. Et donc tu peux le passer voilà, en France, quoi. Tu t'inscris, tu passes. C'est un peu comme le, tu sais, en anglais, c'est quoi, le TOEIC, non? Ou je sais plus quoi, là, un truc comme Ouais, ça. je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est un truc comme ça. Et avec ce petit manuel de kanji, là, kanji kakitai, normalement, vous avez le niveau JLPT 5, voire 4. Ok, donc déjà pas mal, quoi. Qui est déjà bien au niveau 4. C'est Voilà. correct. Mais après, comme dit, ça, franchement, les kanji, c'est après. D'abord, c'est les kanas. Un peu d'oral aussi. Et les kanji, c'est après. Faut pas se lancer tout de suite sur les kanji. Moi, c'est un peu l'erreur que j'ai fait aussi au début. Parce que tu sais, au début, t'es là, ah, tu vas apprendre et tout. Ah Mais ouais. c'est trop tôt, faut une chose après l'autre, en fait. Parce que Pour sinon, ça, t'as le temps, y a pas de tu te pression. dégoûtes. Ouais. On doit pas tous migrer au Japon demain, tu vois. Non, J'espère. c'est clair. Bah, de toute façon, actuellement, ça va être difficile. Ouais, je pense, ouais. Et du coup, tu voulais nous parler un petit peu bouffe ou quoi? Ah bah, pas qu'un peu même. Vas-y, Bah vas-y. disons que le Japon, si tu veux, quand j'y vais, comme je t'ai dit, je pourrais manger toute la journée, quoi. Ouais. Tellement
T'as des trucs de bouffe partout, c'est un truc de fou. T'as un truc de bouffe tous les 5 mètres, quoi. Et il y a tellement de petits trucs comme ça, tu sais, petites spécialités, machin, que tu peux manger, hein. On va dire entre guillemets, de la street food, des trucs comme ça, tu vois. C'est. Ah, moi, tu sais, on dit toujours, ah ouais, mais là-bas, au Japon, ils mangent bien, ils sont pas gros, machin et tout. Mais moi, quand j'y vais, en fait, prends quelques kilos au lieu d'en perdre. Et Tellement je mange. les gens, ils sont forts ou ils sont Non, ils sont assez. Dans l'ensemble, ils sont assez fit. Hein. ils font beaucoup C'est de pas une sport légende, ou... quoi. Non, je pense que c'est l'alimentation, hein, beaucoup. Ouais, Je pense que c'est. elle est riche mais équilibrée quoi du coup. Ouais. Ah ouais, franchement, je pensais ça. Parce qu'en fait, ils font pas tellement de sport à l'âge adulte. Bah, je vous renvoie une petite vidéo de la chaîne Tomokai que j'ai faite sur le sport au Japon. Ah Et mince. en fait, au Japon, ils font beaucoup de sport jeunes, mais après, à l'âge adulte, beaucoup moins en fait. Parce que bah, déjà, le taf, ils taffent tout le temps, en Ouais, gros. mais il marche Et beaucoup, puis, non? ouais, ils marchent beaucoup après en ville, ouais. Surtout, ouais. Mais ouais, à l'âge adulte, ils font moins de sport parce que c'est déjà, ils n'ont pas trop le temps. Et c'est assez cher. Tu sais, genre, t'as pas d'association, t'as pas beaucoup comme chez nous. Tu sais, t'as ton asso, tu payes 30 balles l'année pour faire. Ouais. Là-bas, ça n'existe pas, c'est des clubs privés souvent. Et donc, c'est beaucoup plus cher. Donc, Ok. une fois qu'ils sont adultes, ils font moins de sport en général. Et là, vous venez de voir apparaître la nouvelle ligne que je ne connaissais normalement pas la semaine Oh dernière, qui, je pense, là existe. là. Et Que de progrès. que de progrès. Na ni Que de progrès. na ni nu ne no, suivi de ha hi fu he ho qu'on va faire. Tac. Donc si vous voulez que j'écrive votre prénom en japonais, c'est le moment, les gars. Il vous fait des calligraphies Je vous fais des calligraphies, je au deviens pinceau. tatoueur en fait. J'ai acheté un marqueur permanent. Si vous vous lavez pas, ça peut durer. Avoir confiance, hein. Ouais, carrément. Ouais, non, mais ouais, c'est vrai que ils sont quand même relativement fit hein, par rapport à chez nous. Mais ouais, c'est vraiment là, je pense, c'est l'alimentation. Parce que là-bas, t'as beaucoup de bouffe, comme j'ai dit, mais tu peux facilement manger, on va dire, assez sain en fait. Contrairement à chez nous, où, tu vois, chez nous, quand tu veux manger un truc vite fait, bah c'est quoi, tu vois, le kebab, fast food. Ouais, oui, là-bas tu peux Là-bas, t'as faire des des... trucs, genre les combini, tu vois, dans les combini, c'est des genres de supérettes qui sont ouverts 24 sur 24. Ok. Et t'en as partout. Même à la campagne, t'as toujours un combini dans un village, petite ville au moins, quoi. Et en fait, tu trouves de tout maintenant. Donc le combini, c'est la vie, comme je l'ai dit. Franchement, c'est un C'est de là que truc. vient en fait la chaîne YouTube Combini là. Peut-être, C'est peut-être. justement Je le sais truc où pas. tu peux trouver tout. À mon avis, ça doit être ça Ouais, le concept, tu vois. peut-être que ça vient de là. Excellent, je connaissais Ouais. pas. Je savais pas que ça pouvait venir de là. Ah mais c'est le truc qui me manque le plus en France, moi. C'est ça, Ah quoi. ouais? Ouais, c'est juste une tuerie, quoi. Il est 2 heures du mat, tu vas prendre ta bière au combini. Ouais, je vois l'idée. Non, c'est génial. Et tu trouves de tout, en fait. C'est des supérettes, alors t'as de l'alimentation, t'as même des. Tu peux acheter des fringues, des chemises, des machins, des brosses à dents. Enfin, c'est. Et t'en trouves partout, qui sont ouvertes 24 sur 24. Et donc dans ces trucs, tu trouves un peu de tout en bouffe. Tu trouves des trucs, forcément, des trucs bien, on va dire, bien industriels, bien. Tu vois, plein de sucre et de machin, mais tu trouves aussi des trucs plus, on va dire, plus sains. Tu vois, tu prends des sushis, des machins. Donc c'est plus facile de manger, je pense, sainement, sans cuisiner, au fait, au Japon que chez nous. Chez nous, c'est plus dur. Ok. Moi, je vais Souvent pas vous plus gras, mentir. salé Là, j'arrive à la phase où je me souvenais plus. Voilà. et tout. Je me souvenais de ça. Sincèrement, ça, je l'ai fait sans tricher. J'ai mes feuilles là. Bah Quand je écoute, regarde, je me souviens du reste, à peu près. Ça doit être. c'est pas mal, hein? Ma mi. Ma, mi, mou. Ah, il est un peu bizarre le mou. Moi j'ai du mal au début. Ça ressemble au sou, là, mais. Ouais. Ma mi mu C'est ne ça. mo c'est tac tac
Et le mai, je me... Ah, le mai, je me perds un peu. Ouais, le mot il est simple. Ouais. Là, je le vois pas parce que j'ai ma cam. Ah, c'est bon. Wouah, Putain. quelle belle liste des cas, Hiragana. Hiragana. En cours d'acquisition. Bah là, avec ça, Ah, tu tu peux peux dire déjà des lire trucs, pas hein. mal de mots, hein. Tu peux dire... Sushi. Voilà. Kata. Katana. Hachi, Hachi parmentier? les baguettes. Non, les baguettes. Ah, ok, je savais pas. Oui, parce que là, pour le moment, je sais les écrire, mais je sais pas comment les dire de base. Ouais. Alors après, il y a un truc qui est tout con qu'on n'a pas vu. C'est que par exemple, tu as aussi des sons comme le da, le ga, tu vois, tout ça. Gars, c'est ça, du Et en coup. fait, il suffit juste de rajouter voilà, deux petites apostrophes et ça te transforme en da Et ou en là ga, aussi. par exemple. Gars, c'est à partir du K, non? Voilà, à partir du ga. Ok. Et c'est toujours la même règle, tu rajoutes juste deux apostrophes et hop, Ok. ça change le son, quoi. Donc, tu vois, c'est simple, le japonais, contrairement à ce qu'on croit. Easy. C'est exactement ce que je voulais vous dire. Je sais pas pourquoi j'ai tellement traîné à l'apprendre, parce qu'en vrai, tellement simple. Un truc de fou, quoi. Mais c'est non, franchement, c'est une langue facile à apprendre à l'oral. Après, l'écrit, c'est autre chose, c'est sûr. Mais en vrai, ouais, moi je suis pas partisan de... En gros, je m'en fous que les choses soient faciles ou difficiles. C'est juste, est-ce que j'ai vraiment envie de les apprendre ou pas, tu vois? Et j'ai vraiment envie d'apprendre le japonais, donc je me pose pas la question si... Si j'en fais un peu tous les jours, c'est pas difficile, tu vois? Ce qui est Ouais, non, mais tu difficile, fais c'est de dire, c'est s'y ça. mettre et d'être régulier, tu vois? Et encore, C'est ça. là ce que j'ai fait, franchement, j'ai pas passé plus de 10 minutes, un quart d'heure par jour depuis les 2 semaines, là. Il y a même des jours où je les ai pas fait. Les 3 premiers jours, j'étais à fond. J'ai dû faire 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir. Tac, ça commence à rentrer. Et après, à chaque fois qu'on apprend une nouvelle ligne, on réécrit l'ancienne. Et le cerveau, il fait le travail tout seul, en fait. Ouais. Non, c'est largement suffisant. Et là, tu peux déjà lire des mangas. Enfin, tu comprendras peut-être pas le sens des mots, mais tu pourras les lire. Et Parce que donc... dans les mangas, tout est en hiragana, katakana. Alors, tu vois des kanji, mais en fait, au-dessus, tu as toujours la transposition en hiragana et en katakana, pour que les enfants puissent les lire aussi, en fait. Parce qu'ils apprennent les kanji plus tard. Ah ouais, ok. Ouais. Ah c'est fou, il commence pas par les kanji alors. Non. Pour ça, en fait, tu es un enfant. Tu commences par les C'est hiragana. ça que c'est bon, putain. Nous sommes tous des enfants Je quand mets on la apprend ça. pâtée à un Et enfant en fait. Dès que je ouais. maîtrise un kanji, c'est bon. Et ouais. C'est Non, une mais... bonne méthode d'ailleurs. Il y a un livre qui s'appelle Le japonais en manga. Et Ouais. en fait, en français. Et il utilise un peu cette méthode-là où il. Voilà, c'est des mangas tout simples, tu sais qui dessinent. Et tu apprends avec des cases de manga comme ça, avec des. Bon, Ok. c'est pas. Voilà, ça va pas te donner un niveau JLPT1, mais c'est bien pour avoir des bases, c'est pas mal. Apprendre le japonais en manga. Ouais, le japonais en manga, il s'appelle. Je crois qu'il y a deux volumes même. Un et deux. Me semble-t-il. Il y a beaucoup de livres, hein, il y a un peu à boire et à manger. Moi, j'en ai testé pas mal. Il y en a qui valent honnêtement pas grand-chose. Genre le truc de Larousse, là. Voilà quoi. J'ai vu qu'il y avait un japonais pour le japonais pour les nuls, je crois, avec tous les kanji, non? Ouais, alors ça, j'ai pas testé. Mais je sais pas, ça me paraît un peu trop général. Je sais pas, les trucs pour les nuls, ça a l'air d'être toujours un peu la même méthode, tu vois, qui duplique à l'infini. Et Ouais. je sais pas si c'est vraiment adapté, quoi, tu vois, pour apprendre le japonais. Tu vois ce que je veux dire? Après, Ouais. moi, j'en ai un là qui est pas mal aussi. C'est le Maneki Neko. Qui est pas mal aussi pour commencer. Ok. C'est, Pour quelle tu vois, raison? l'hiragana, katakana, kanji un peu. Ok. Je crois que tu le trouves sur internet. Le Moi, j'avais acheté à japonais en Paris. manga, cours élémentaire. Ouais, et tu Il disais est du pas coup mal. là-dedans, il y a des c'est quoi des dessins de manga avec des hiragana et katakana et du coup tu peux le lire, tu dois le, il y a des exercices quoi. Ouais, voilà. En fait, voilà, parce que tu sais,
Ça facilite un peu l'apprentissage. Du coup, il utilise des cases de manga pour faire passer les notions. Et paraît-il que c'est pas trop mal. Moi, je l'ai pas jamais utilisé. Mais paraît-il que c'est bien pour avoir les bases, quoi. Ok. Ah, je vais Et peut-être passer à la Fnac. sinon, tu as la méthode barbare. Tu prends un manga japonais et puis tu commences à lire. Et dès que tu butes sur un mot, tu vas dans le dictionnaire, tu regardes. Ouais, t'as un bon Voir ça dico après. à conseiller d'ailleurs? Alors, un dico, Je non. crois Par contre, il y a que des. sur la chaîne de. J'oublie toujours son nom. Jean. Julien Fontanier. Julien Fontanier, il conseille un dico. Peut-être, ouais. J'en ai pas. Mais après, vous en avez aussi sur mobile, quoi. Sur smartphone, il y a des applis Ah oui. T'es qui trop font moderne, dico. toi, t'es trop moderne. Mais je crois que sur JA Sensei, là, l'appli que j'avais dit la dernière fois, Ouais. il y a un dico. Je crois qu'il y a un dico dedans. Peut-être pas aussi exhaustif que les autres, mais il y en a. Radicaux, grammaire, il y a les kanas. Si je clique sur kana. Dans JA Sensei? Ouais, je suis dessus là. Je crois qu'il y a un dictionnaire. Je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'il y en avait. Elle est vraiment bien. Franchement, c'est là. Si vous bossez un peu avec les téléphones et tout, enfin c'est vraiment la meilleure appli, je trouve. Ouais. Allez, on fait des tests. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je dirais que c'est où? Putain, je me suis chié. Merde! Ouais, Non! ça ressemble un petit peu, c'est vrai, quoi. Non, mais Mais. là, je me confonds, mec. Je suis trop. Je suis fatigué aujourd'hui. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi! Ouais, mais c'est ça, c'est la fatigue, c'est la fin de semaine. Ça, c'est. Ça, c'est où? Ouais. Moi, j'ai fait ça pendant pas mal de temps hein, sur mon téléphone comme ça. Et ça marche bien. Bah ouais, franchement, là, je l'avais pas encore trop checké, mais je viens de voir qu'elle est plutôt sympa. Après, tu as aussi des cours de grammaire un petit peu, de vocabulaire, tu as un peu de tout. Après, moi, je sais que j'aime bien aussi le. Enfin, c'est perso, hein. Et moi, j'aime bien le papier, quoi. J'aime bien bosser sur papier aussi. Donc, il faut que j'ai un truc, tu vois, un cahier, un machin, Ouais, où j'avoue. je peux prendre des notes, machin. Bosser que sur le PC ou que sur le téléphone, j'y arrive pas. Mais c'est un bon complément, en fait. Genre, quand t'as pas trop le temps, tu vois. T'es dans les transports, machin, hop, un petit coup de canard, tu révises, hop, pratique. Bah, pour consolider ta mémoire, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Ou le soir, avant de te coucher. C'est ça. Tu vois, un petit quiz. Le petit quiz de vérification. Est-ce que je fais tout, est-ce que je passe tout ce temps pour rien ou est-ce que. Ouais, en plus, il paraît que c'est le soir qu'on retient le mieux, qu'on Ouais, apprend avant de dormir, avant de dormir. c'est le top. Ouais. Donc, ton plat préféré japonais? Mon plat préféré. Plat préféré. Oh, j'en ai beaucoup en fait. C'est dur d'en donner un quoi. Ton préféré, si je devais vraiment préférer, je pense que ce serait. J'aime bien les udon. Tu vois ce que c'est? C'est les grosses pâtes. Ouais, c'est les grosses nouilles. On le trouve dans le Ça, j'aime ramen, bien. non? Ouais. En fait, c'est des grosses nouilles dans un bouillon. Et tu peux rajouter un peu ce que tu veux dedans, tu peux mettre un œuf, tu peux mettre des tempura, tu vois, avec, de crevettes, des tempura de légumes, tu vois, de. Moi, ah, Tempura, j'adore. Par contre, il y a un truc que j'adore. c'est des choses qui sont frites, non? Ouais, c'est des tempura de potiron. Oh putain, c'est trop bon ça. Parce qu'en fait, les potirons au Japon, ils sont un petit peu plus sucrés, tu vois, que chez nous. Donc, ils Ouais. ont un autre goût, en fait. Tu peux le faire hein, avec les nôtres, mais c'est pas le même goût. Et ouais, les udon avec petit bouillon avec les tempura, ça c'est un truc que j'aime bien. Après, j'aime bien. Je suis pas très très fan de sushi au fait. J'en mange, mais genre. Voilà, je suis Sans pas un plus. truc qui me scotche. Contrairement à beaucoup de gens qui vont au Japon pour. Ah, je mangeais des sushis, tu vois, moi. Ouais, bon, j'en mange, mais voilà quoi, sans plus. Y a des fans, ouais. Ouais.
Par contre, il y a vraiment des super bons trucs, quoi. C'est quand tu vas. Donc, quand on allait à Fukuoka, dans le sud, en fait, c'est près de la mer, tu vois. Et donc, en fait, ils te font. T'as des petits restos. Après, il faut trouver des bons, hein, mais t'as des petits restos. Le mec, il te fait les sushis devant toi, tu vois, un par un, avec des trucs tout frais. C'est vrai que c'est. Mais moi, que je suis pas fan de sushis, c'est trop bon, quoi, tu vois. C'est frais et tout. C'est. Ouais. Mais c'est assez cher, contrairement à ce qu'on croit en France, tu vois. Tu demandes aux Français moyens, qu'est-ce qu'ils mangent les Japonais? Des sushis? En fait, non, non, ils mangent pas, parce qu'en fait, même au Japon, c'est un plat relativement cher. Des bons Ah sushis, ouais? hein. Après, tu peux aller au combini, bon. Voilà, quoi. Mais si tu veux manger des bons sushis, c'est un plat relativement cher, quoi. Le poisson et tout. Bah, j'utilise des trucs assez. Ouais, des poissons assez chers, des fois. Hein, Le thon, le tu vois. saumon. Ouais. Ou même t'as les sushis de dorade, comme ça. T'as pas mal. T'as plein. T'as les sushis même avec des œufs, par exemple. Tamago, sushi. Ouais. Ouais, donc sushi, j'aime bien, mais voilà, je suis pas. J'irai pas dire ouais, viens, on va manger sushi, je préfère manger d'autres trucs. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est le unagi. Je sais Qu'est-ce que c'est pas si ça? tu Je vois ce connais que pas. c'est. C'est de l'anguille grillée, tu vois. Sur du riz, avec une petite sauce soja comme ça, un peu, comment dire, entre guillemets caramélisé, tu vois, un peu soja. Waouh, putain, ça c'est. Ah là là, les Ah, ça mots-clés. c'est trop, trop, trop bon ça. Unagi, ouais. Ça c'est un truc que j'adore, mais c'est aussi assez cher. Donc je ne mange pas tous les jours non plus. T'as pas un petit site où on peut choper des recettes là? Là, comme ça, non. Mais je pense que sur Google, si tu tapes, tu dois trouver. Ah, il y a Mieux-Sad qui est là. Mais Heureusement que je viens sinon, de finir de manger, j'arrive au bon moment, il nous dit. Et j'ai ma copine qui a fait une erreur de T9 dans un message, elle m'envoie. Je lui dis émission déconseillée aux personnes qui ont un estomac vide. Elle me dit, tu m'étonnes, c'est comme un épisode de Big Bang Theory. Et en fait, elle a fait une erreur de T9, elle voulait dire Big Bang Theory. J'ai dit, c'est bon, tu viens de nous balancer un slogan de ouf. Donc c'est Thierry, clair. c'est un défi que je te lance. Tu vas nous créer un concept d'émission intitulé Big Big Bang Bang Theory. Theory. Cash. Tu vois comment on trouve un nom Grave. facilement. Hein. Putain, vive le T9, quoi. C'est ça que c'est beau. Merci, merci à ta copine. Ouais, grave. Et à Thierry, hein, qui porte ce joli prénom, Thierry. qui sans lequel aucun lapsus n'aurait pu être fait. Et d'ailleurs, Thierry, ce Mais soir, qui c'est vrai. stream un petit peu de Among Us, si je dis pas de Ce bêtises. soir, ouais. Donc, moi, je serai pas là, je serai au gospel, heureusement ou malheureusement. Mais Moi je serai si. là. Tu participes aussi, ouais? Ouais. C'est Ça m'a quoi? bien plu la dernière fois on a essayé ça. Oh. J'ai bien kiffé. In the name of God, man. Mais c'est vrai, tu vois, on dit souvent que la France c'est le pays de la bouffe, mais je dirais le Japon c'est aussi le pays de la bouffe, hein, Attends, franchement. attends, t'es en train de bafouer nos valeurs là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, non mais franchement ils sont. Et ils aiment bien la bouffe, quoi. C'est pour ça qu'ils en général les Japonais aiment bien la France parce qu'ils aiment bien ils aiment bien la bouffe Ils nous et reconnaissent bah, vraiment la pour la France. pâtisserie, je crois, non? Ouais aussi, ouais. J'entends souvent Aussi. que ouais, y a des personnes du Japon qui sont venues. Et alors moi j'aime bien la pâtisserie japonaise aussi. Alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je connais Tu pas vois, du c'est parce tout, que c'est ouais. la pâtisserie traditionnelle japonaise, tu vois. C'est des trucs souvent à base de haricots rouges. Ils appellent ça du mochi. Moi j'aime bien. Mais c'est vrai que j'en ai ramené et tout, tu vois, chez moi, des potes, machin ici. Soit tu aimes pas. Tu vois, il y a des gens, c'est parce que c'est très différent de ce que nous, Ouais, on mange. haricots rouges, j'ai pas goûté en pâtisserie. Ouais. Je sais que on avait fait quelques mois vegan avec ma copine pour tester et tout et pour retrouver un peu d'énergie, voir si ça pouvait nous convenir. Et en fait, il y avait une recette de burger à base de betterave mixée avec du haricot rouge et de l'oignon, ce qui remplaçait le steak en fait. Quand tu le faisais frire à la poêle, c'était assez sympa, ouais, c'était vraiment bon. Tu peux te le faire maison en bocal. Ouais, tu peux effectivement, comme dit Mewsat, les haricots rouges, c'est comme les pois chiches, tu peux les laisser tremper dans l'eau une douzaine d'heures. Ah ouais.
Tu peux les acheter non. Au lieu de les acheter en bocal, tu peux les acheter en vrac. Au lieu de les acheter en conserve, pardon. Et après, Ouais. tu as juste soit à les cuire, soit à les laisser tremper dans l'eau pour qu'ils se réhydratent, en gros, quoi. Après, je sais pas comment ils font. Enfin, je connais pas les recettes exactes, mais je sais qu'ils utilisent beaucoup. C'est la base, en fait, c'est l'haricot rouge sucré de beaucoup de pâtisseries. Et moi, j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est particulier. C'est moins sucré, tu vois, que nos pâtisseries Mais à ça doit nous. être C'est pas la consistant même quand même, consistance. c'est dense, ouais, le haricot rouge. Ouais, c'est un peu du riz gluant, comme ça, en fait, de la pâte de riz, c'est gluant. Faut aimer. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. J'ai Donc, ça, c'est. justement là près de chez moi une japonaise apparemment qui était venue, qui travaillait dans un resto vraiment étoilé au Japon. Par contre, c'est une catastrophe quand il s'attaque aux pâtisseries occidentales. Genre. Ah, alors je suis pas complètement d'accord parce que tu vois des bonnes pâtisseries. Alors bon après il faut aller à Tokyo, faut aller dans les trucs vraiment recherchés. Mais t'as des bonnes pâtisseries françaises au Japon. Et moi pour en avoir goûté bah, là où travaillait ma copine avant, c'était une pâtisserie française à Tokyo. Le mec il est bon. Il fait des trucs Après, putain même en franchement, si France je vais au j'en ai rarement Japon, mangé des comme ça. je goûte les trucs du Japon, quoi. Ouais. Mais Bon, ouais, après, c'est. pour la petite histoire, là, du coup, dans le village d'à côté, c'est avec ma compagne. On comptait se marier avant le confinement, là, avant qu'il y ait toute cette histoire-là. Ah. C'était en fait une Japonaise, il y a une dizaine d'années, qui est venue dans. En gros, elle travaillait dans un resto 3-4 étoiles au Japon, et elle est venue à Paris. Pour se former, en fait, ça lui a pas du tout plu. Donc, elle allait dans tous les terroirs de France, tu vois. Vraiment goûter la base des aliments et des produits. Elle s'est retrouvée en Alsace chez un viticulteur qui devait la prendre et qui, en fait, pouvait pas au dernier moment. Et le gars d'à côté qui avait sa propre vigne l'a invité à rejoindre. En fait, ils sont tombés amoureux, ils sont restés ensemble depuis 10 ans, ils ont des enfants et tout. Et elle a ouvert une petite table d'hôte, tu vois, où elle accueille que 2 fois dans la semaine et elle te fait des repas pour 10-15 personnes, soit à partir des produits du terroir de son mari, donc alsacien, soit spécial japonais, tu vois. Et il y a des gens qui viennent du monde entier pour y aller. C'est un truc de fou, apparemment, quoi. Tout le monde t'en parle comme. L'expérience Ah ouais? absolue du goût, ouais, j'ai. Donc on voulait se faire ça pour le mariage là. Mais Et comment ça je crois. s'appelle? Ben c'est Yukina, elle s'appelle. Ouais. Faudrait que je retrouve. Connaissais pas, tu vois. C'est une amie Sophie qui m'a recommandé. Attends, je le redemande. Peut-être qu'elle répond dans le. Ouais. Je vous envoie le Ouais, lien. parce que les restos japonais en France, Si on passe en Alsace. parlons-en. Parlons-en. Enfin, la plupart, c'est quand Vas-y, même pas. C'est pas balance les ça, non? dossiers. Bah, disons que les trois quarts des restos japonais, quoi, enfin. Ouais, les trois quarts en France, quand tu y vas, déjà c'est resto japonais, mais quand tu arrives dans le resto, c'est du buffet chinois, vietnamien, japonais mélangé, quoi. Ah ouais? Et puis, ouais, enfin, déjà, franchement, si j'ai un conseil à donner, déjà tout ce qui est buffet, évitez. Évitez. C'est jamais bon. Pour le goût ou la qualité des provenances ou pour les deux? Ouais, pour la qualité, le goût, enfin, tu vois, c'est du fake. C'est pas du vrai quoi. Pas du vrai. Après t'as des vrais restos on va dire japonais mais là faut déjà aller dans les grandes villes en général en France. Ouais. Sinon c'est des trucs asiatiques buffet. Genre. Non franchement évitez ça quoi. Évitez ça pour votre bien. Tu cuisines un peu chez toi? Moi je cuisine mais pas japonais. Je sais pas faire des trucs japonais. Ta compagne, Mais pas. elle cuisine un peu? Ouais. Japonais à la Elle maison? cuisine beaucoup et du coup, ben, comme elle fait de temps en temps japonais, ben, j'ai la chance de manger T'as fait péter les recettes là! tous les 2-3 jours japonais. On veut de la recette, mec! Nous, on est Ben là pour écoute, ouais, ça! je vais lui demander. Je vais lui Tu me demander parles de bouffe là, moi je veux une liste. Tac tac, des petites 10 oignons. recettes. S'il y a un truc que je sais faire, c'est le homo rice.
sais pas si tu vois ce que c'est. Non. C'est off. Mais enfin, c'est pas un truc traditionnel japonais. C'est un plat qu'ils font un peu vite fait comme ça. Tu sais, bon, mais c'est très populaire, on va dire. Et en fait, c'est tout simplement tu prends du poulet, des poivrons, un peu d'oignon, tu fais cuire tout ça, tu vois. Tu mélanges avec du riz. Et après, tu enveloppes ça avec un peu de ketchup. Je sais que c'est un peu de ketchup. Et après, tu enveloppes ça dans une. Comme une. Tu fais une crêpe avec un œuf, en fait. Tu vois, comme une omelette. Et Ah tu ouais. enveloppes tout ça là-dedans. Et ça s'appelle un omurice. D'accord. Comme omelette et riz, tu vois. Parce que rice, c'est Ouais. rice, le riz, quoi. Moi, Et je connais omelette au riz, quoi. le umami. C'est aussi vraiment apparemment le truc consistant mais cheap, tu vois. Où Ouais. tu crées un bol, tu prends un bol de riz, tu casses un œuf cru dedans. Ouais. Tu mélanges le tout et après tu peux rajouter un peu de lard fumé ou quelques légumes ou... Et du coup le plat est super vite fait, t'agrémentes de ce que tu veux et quand j'ai pas le temps, c'est vraiment ce que je me fais quoi. Je me fais mon bol de riz, hop, je pète un œuf dedans pour un peu la Ils font protéine. souvent, ils mangent souvent ça au petit déjeuner, par contre. Ok. Un Ouais, œuf tu peux le avec du faire riz. sucré salé, tu peux mettre des noix de cajou. Ouais. Et après, tu as le gyudon aussi qui est bon, qui est assez vite fait. C'est aussi comme un peu un bol de riz Ok. avec un œuf, comme ça, et du poulet, en gros. Avec une petite sauce aussi, un peu soja. Ouais. Pas mal non plus, c'est vite fait. Il y C'est a pas mal. ma chérie, ce qu'elle adore, c'est les okonomiyaki. Ah oui, ça c'est. Ça envoie du pâté aussi. Mais putain, ça t'en trouves pas chez nous. En Ben France, à c'est. Stras, ben après voilà, je sais pas d'où vous venez quand vous nous regardez, mais à Strasbourg, il y a un resto qui s'appelle le East Canteen et qui en fait des Les très très enfants. bons. Et tu peux Ah, ça c'est manger. bon. Il y a un peu de tout, c'est de la cuisine asiatique, pas en buffet, mais tout y est très bon. Attends, je vous mets le. Pour ceux qui viennent du coin. Ça, c'est la spécialité de Osaka, les okonomiyaki. East Canteen. Après, t'en trouves partout, mais à la base, ça vient d'Osaka. Et en fait, quand tu vas à Osaka, t'as pas mal de stands dans, je sais plus le quartier, comment il s'appelle. T'as des stands de street food comme ça. Ok. Et là, tu as des. Ils te font des okonomiyaki avec différents goûts, tu vois. Différentes recettes à chaque fois. Ils font des okonomiyaki avec différents goûts, tu vois. Mais ça, ouais, j'aime bien, c'est très très bon ça. On a un appareil chez nous, là, ma copine a là, pour faire le okonomiyaki, tu sais, avec les boules de pâte et tout. Thierry qui me dit, je On mangeais ça en mode étudiant de la dèche. Je vois, en j'ai connu ces... Nous, à la coloc avec Julien, Anne et tout ça. a. On était en mode, putain, vraiment, qu'est-ce qu'on mangeait, c'était insane. Hein. On faisait 1 kilo de pâtes comme ça, on les cassait. Ouais, je cassais les pâtes, rien à branler. Et bim, alors, il se passe quoi? On n'est pas italien ici, on est japonais, d'accord? On prenait les vieux pots panzani, ça faisait dans la grosse gamelle, gruyère. Et la tambouille, mais comme ça, à l'ancienne, dans des grosses casseroles. On était 6-7, bam, 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 bam. Et dès qu'on avait la flemme de manger, c'était ça, quoi. Allez, on casse les pâtes et les codes. Et ouais. Moi je les casse toujours hein, les pâtes encore aujourd'hui. On est en train de se faire fustiger par Et là tous Thierry. les Italiens vont quitter le live. C'est clair. Non, mais parce qu'il faut réfléchir quand les spaghettis sont trop longues. T'aspires, bam, 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 toute la chemise blanche, c'est terminé, tu vois. Alors que quand elles sont coupées en deux. Oui. Elles ont suffisamment de longueur pour faire le tour de la fourchette, mais pour pas gicler partout quand tu l'aspires. Après, t'es dans le Exactement. turfu ou voilà. Mais bon, fais ton choix, Mais quoi. moi, c'est le problème que j'ai avec les ramen, tu vois, au Japon, c'est j'arrive pas à manger ça sans en foutre partout, c'est un truc de ouf. Ouais. À chaque fois que je bouffe des ramen, même chez nous, à chaque fois, Par contre, j'ai essayé de les j'arrive bouffer pas. comme eux. Moi, je me brûle la langue, hein. C'est horrible. Hein. Mais alors, en fait, ouais. En fait, je crois que c'est parce que je les mange pas comme eux, en fait. Tu vois, Ouais. je fais pas ça. Mais tu sais que là-bas, c'est pas mal poli, en fait, hein, c'est. Ouais, c'est bien vu, ouais. Au Et ils le mangent contraire, c'est super bien vu. vite en plus, non? Pour garder Ouais. toute la saveur et Ouais. tout. Et c'est plus facile. Enfin, tu vois, c'est moins crade, en fait. Parce que tu. Hop. Alors que là, nous, moi, quand je mange, tu vois, je suis à la force. Et là, t'en mets partout, quoi. Faut La pas faire de technique. bruit.
Mais ouais, mais ça, c'est un truc, moi, j'ai jamais réussi, hein, tu vois. Et j'en parlais encore avec mon pote Camille, qui y est depuis 15 ans. Putain, il me dit, mais oh, moi aussi, ça, c'est un truc, c'est. J'arrive pas à faire du bruit quand je mange mes ramen, quoi. Psychologiquement, je peux pas, tu vois. Il y a un truc, il y a un blocage, quoi. C'est ouf. Il y a un blocage. T'es fou, moi, Ah si j'y vais, je me lâche. Je me dis, allez, let's go, c'est le moment, tu vois. ouais? Comme un gros sale et tout. Après, à la fin, je Je sais rote, pas, c'est. Abdullah. Non. Peut-être pas le bon endroit, je sais pas, ils rotent eux ou ils s'en foutent ou pas? Non. Non, ils sont pas hardcore à ce point-là. Ok. Ah, question de convention. Par contre, quand t'as fini de manger, tu dois toujours dire Gochiso-sama deshita. C'est-à-dire c'était bon, merci pour la bouffe. Hein. Gochiso Gochiso-sama samadesh. deshita. Ouais. Et en fait, quand tu vas dans un resto, souvent, même quand tu pars, tu fais ah, Gochiso-sama deshita, tu vois. Et par exemple, Deshta, ça s'écrit comment? Deshuta? Deshita. D-E-S-H-O-T-A? Deshita. Deshita. Ouais. Deshita. Deshita. Ok, Deshita. Mais à l'oral, tu vas prononcer deshita. Tu vois, tu vas pas vraiment faire le chi. Tu vas pas appuyer Et sur le i. pareil pour genre Nandeska, comment tu l'écris? Ouais. Desika? Nan, comme nan. Deshuka. Desuka. Et tu prononces pas vraiment le u. Tu vois, dans des, quand le u est à la fin, en fait, tu le prononces pas en japonais en général. Mais c'est. Tu dis des. On dirait que c'est un peu random. Comment ça se passe par exemple qu'est-ce qui fait que entre Deshta et Deska par exemple, on met su ou si ou shu, tu vois? Shu. Alors, bah, des, ça veut dire être, c'est le verbe être. Et Des. deshita, en fait, c'est la forme passée, si tu veux, un peu de être. C'était bon, tu vois, deshita. Ok. Deshita. C'est ça. On entre dans la méta là. Mais il y a plein de petites, tu sais, de petites conventions comme ça qui n'existent pas forcément en France, tu vois. Genre en France, t'as fini ton. Les gens, ils finissent de bouffer. Ouais, merci. Et encore, même pas, ils se lèvent, ils se barrent, au revoir. Ouais. Tu vois, là, tu fais Gochiso-sama deshita, tu vois. Et plus tu le dis fort, mieux c'est, tu vois, que tout le monde entend. C'est la politesse là-bas. C'est les Oui, petites c'est vrai, formules de dans les mangas, il y politesse. a souvent les moments comme ça qui. Le mec, il s'incline et il dit Ouais. tout fort: Merci, monsieur! Ouais, lui, c'est ça, tu vois. C'est des Mais codes trop. quand t'es client, c'est encore pire. Tu vois, genre, des fois, c'est exagéré, tu vois. Genre, tu vas dans un magasin, tu vois, enfin, dans une boulangerie, t'achètes une baguette de pain à 1 euro. Un onigiri à 1 euro. La meuf ou le truc, là, arigato gozaimasu, arigato gozaimasu. C'est bon, en gros. Je t'ai lâché 1 euro. En plus, pas non plus, quoi, tu vois. Mais bon, ils sont obligés, tu vois, c'est la politesse, c'est les formules, les conventions. Ouais, franchement, je vais pas leur en vouloir. On en manque tellement des fois que c'est pas de ta Ouais. faute. Mais des fois, c'est un peu exagéré, tu vois. Genre, tu sens que c'est pas, on va dire, c'est pas sincère, tu vois, entre guillemets, c'est plus par convention, tu vois. T'as envie de leur dire, c'est bon, calme. C'est bon. Eh, calme-toi. Eh, calme-toi. on est entre nous là, bordel. Ouais. Tu vois, tu recommences Mais. là. Non, mais c'est vrai que c'est. Et par Il y a exemple, beaucoup, ma beaucoup. boulangère là, je Ouais. peux lui parler ou ça c'est gênant pour elle? Bon, non, tu peux. Ouais. Ou il y a des Si trucs tu les. gênants au Japon, tu vois, qu'il faut pas faire ou des situations parce que tu. La dernière fois, on parlait de l'aspect gênant dans le social et de la difficulté de communication à l'intérieur du peuple même, ce qui amenait à un déficit de natalité. Du coup, est-ce qu'il y a des situations sociales qu'ils évitent parce qu'ils sont vraiment mal à l'aise dedans ou... Et si oui, lesquelles? Bah, niveau communication, ouais, c'est compliqué, hein. Surtout dans le monde du travail, en fait. Là-bas, c'est assez. Parce qu'il y a beaucoup de conventions, tu vois, il y a beaucoup de trucs. Et il y a des trucs que toi, en tant qu'occidental, tu vas interpréter, mais d'une façon pas du tout, tu vois, pas bonne du tout, en fait. Et inversement. Et c'est vrai que parfois, ça peut être un peu compliqué, tu vois, au niveau communication. Et puis surtout les conventions, tu vois, comme je disais, les formules de politesse et tout. Genre par exemple, en fonction d'à qui tu t'adresses, tu vas pas parler de la même manière.
Tu vois, c'est comme si tu avais en français, par exemple, tu as trois types de langage, tu vois, on dit courant, familier, soutenu. Bah là, en fait, c'est la même chose un peu, mais tu vas changer, tu vois, en fonction de ton interlocuteur. Par exemple, si tu parles à ton patron, tu vas employer d'autres formes de verbes, tu vois, par exemple. Tu vas pas conjuguer de la même manière que si tu parles à ton pote ou à ta femme, machin, tu vois. Et inversement. C'est très, très codifié, en fait. Très, 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 très codifié. Et nous, on comprend pas toujours très bien au début, tu vois, parce que c'est pas pareil, quoi. Il y a beaucoup de notions de rang, en fait, si tu veux. Tu vois, c'est-à-dire par rapport aux anciens, ou par rapport aux chefs, etc. Tu vois, c'est très hiérarchique comme société. Ça vient du fait qu'il y a quelques centaines d'années, ils ont toujours eu un grand respect des anciens, tu vois. De la hiérarchie, voilà, les sensei, senpai, ça, t'as plusieurs formules comme ça pour t'adresser aux gens, et ça, c'est très, ouais, c'est très, très Mais codifié là-dessus. est-ce qu'il y a... Moi, je sais pas, quand je suis face à des Japonais, j'ai toujours peur d'être intrusif, tu vois. J'ai l'impression que ils sont trop gênés dans le contact, tu vois, genre Bah, on dirait que la conversation, c'est intimidant pour eux, tu vois. Souvent, ils sont moins expansifs hein, que nous, quoi. Tu vois, déjà, même dans les. Comment dans les. Ils montrent moins, en fait. Tu vois, au Japon, c'est considéré comme malpoli, si tu veux, un peu de trop montrer ses émotions. Ok. En public, tu vois. Genre en public, voilà. Pas tous, évidemment, tu vois, mais globalement, on t'apprend quand t'es jeune qu'en public, tu dois pas trop montrer tes émotions. Faut être plus ou moins impassible, tu vois. Et c'est pour ça qu'au Japon, tu as le phénomène du tatemae, je crois, ils appellent ça. Bon, en fait, c'est pour dire un peu la double face, tu vois, des Japonais. C'est-à-dire il y a la face en public et il y a l'autre face en privé, tu vois, qui est complètement. Bon, c'est un peu pareil chez nous, mais chez eux, c'est encore Scindé plus quoi. poussé que ça, quoi. Et en fait, c'est ce que me disaient pas mal de potes à moi qui sont au Japon depuis quelques temps, français, tu vois. Ils me disaient. J'ai un peu de mal à me faire des vrais potes japonais en fait. C'est-à-dire que tu te fais des connaissances, des machins, mais la plupart, tu vois, ils me disent c'est chaud de se faire des vrais potes. Ils en ont, tu vois, mais c'est plus dur qu'en France, par exemple. Plus difficile. C'est ce qu'ils me disent. Pourquoi? Bah, je sais pas, ils me disent, par exemple, tu vois, j'ai Camille, il me disait les gens, ils vont. Plus facilement tu vois, te zapper, machin, passer à autre chose. Voilà. C'est rare d'avoir de vraiment de développer des relations, de se faire des vrais amis, quoi, tu vois. C'est plus, voilà, ouais, on va boire un coup, machin, tu vois. Mais en fait, ça va pas plus loin que ça. Enfin, rarement, quoi. Alors qu'en France, c'est plus facile, quoi. Et c'est pas. Mais c'est aussi parce que, si tu veux, là-bas, ils ont pas trop l'habitude, dans les grandes villes surtout et tout, de s'inviter chez soi. Tu vois, chez nous, souvent tu dis bah, viens manger à la maison, hop, tu fais une bouffe chez toi, machin, les gens ils dorment chez toi. Là-bas, pas du tout, parce que déjà, bah, ils manquent de place et tout. Et c'est pas dans la culture, en fait. Quand ils sortent, ils vont dehors, ils disent voilà, on va au resto, machin, après on rentre chez soi. Et par exemple, mon pote Camille, il était super étonné quand il était venu chez la mère de ma copine l'année dernière. Parce qu'on était à la plage, on était surfer la journée, tu sais, lui, il habite à Tokyo. Et on était surfé la journée, et le soir, genre, il a dormi chez ma copine, tu vois. On est rentré, on s'est douché chez elle et tout. Et il m'a dit, avant d'aller au resto, et il m'a dit, tu vois, ouais, je suis surpris, parce qu'en fait, c'est pas du tout, tu vois, au Japon, c'est pas courant du tout, ça, de dire aux gens, ouais, bah viens, tu te douches chez moi, machin, dors chez moi et tout. Les gens, ils t'invitent pas trop chez eux, tu vois. Et c'est parce qu'en fait, bah voilà, la famille de ma copine, ils sont, entre guillemets, un peu européanisés, ils ont vécu en Europe et tout, donc ils sont un peu. Ok, ouais. Différent du japonais lambda, quoi. Et quand Mais il vous me disait, parlez ouais, avec c'est. eux, ils le vivent de la même manière? Ils ont aussi, eux, du mal à se faire des amis? Ou c'est vraiment du fait que tu sois étranger, entre guillemets? Pense que c'est un peu du fait que tu sois étranger et aussi un peu. Quand jeune, c'est plus facile, mais après, à l'âge adulte, moins. Tu vois. Beaucoup moins, en fait. Quand t'es plus âgé. Il y a beaucoup, ouais, il y a beaucoup. Dès que tu dévies un peu de la norme, c'est pas courant quoi, au Japon. Voilà, tout le monde est dans la norme, enfin plus ou moins.
Tu vois, faut pas dévier de la norme en fait, quoi. Et il n'y a pas de gars qui pète un câble, quoi. C'est ça qui me trouble un Ah, de petit temps peu. en temps aussi, un peu. Et Ça du coup, arrive. comment ça se passe quand ils le font, hein? Bah, ils ont. Alors, on dit souvent que c'est le pays qui a le plus de suicides, mais en fait, c'est pas vrai. J'ai vu que c'était la Belgique. Ah Je sais ouais? pas pourquoi on dit que c'est le Japon, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a, y en a beaucoup de gens qui sont quand même pas bien, tu vois, au taf et tout, dans les grandes villes surtout, là, tu sais, à Tokyo et tout. Mais après, voilà, comme je dis, tu sais, il faut pas montrer, donc ils le montrent pas, tu vois, ils ont. Mais en La fait, façade, ouais. ils sont pas vraiment contents de leur vie, en fait, en vrai, tu vois. Je pense que si tu faisais un sondage, tu demandais à 90% des Tokyoïtes, les mecs qui travaillent dans les bureaux, les salarymen, etc., s'ils sont vraiment heureux dans leur vie, je pense que s'ils sont honnêtes, ils diraient non, en fait, tu vois. Bah, chez nous, C'est un tu vois, peu. on accueille un peu une vague comme ça de développement personnel, tu vois, de retour de la conscience qu'on est capable, en fait, de créer nos vies, tu vois, en mettant quelque chose à l'œuvre. Est-ce que eux, ils ont ça ou c'est vraiment fataliste, tu vois, en mode c'est comme ça, tu vois. Ou est-ce qu'il y Ouais, a des c'est ça gens en fait. qui retrouvent un peu Non, c'est très. Et puis c'est beaucoup, tu sais, voilà, tu te fonds dans le collectif en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de, comme chez nous, tu vois, de trucs de développement personnel, machin, là-bas, c'est beaucoup moins. Ou même de psychologue et tout, tu vois, là-bas, c'est beaucoup moins répandu, en fait. Les gens vont pas beaucoup moins chez un psychologue, machin, quoi. Parce que, voilà, il faut se fondre dans la norme, en gros, et puis voilà, c'est le collectif, en fait, avant l'individu, en fait, en gros. Moi, quand tu me dis des trucs comme ça, j'ai juste envie d'aller. Alors, l'expression va être peut-être mal perçue, mais de foutre le feu, tu vois. Genre, Ouais. allez, Ah on ouais, y non, mais va, des les fois, gars, ouais. là, on se réveille maintenant, tu vois. Parce que Des moi, fois, j'ai t'as vraiment envie. une énergie flamboyante, tu vois. Et quand je suis dans un milieu où les gens sont un peu, genre, soporifiques comme ça, j'ai toujours envie de ça. Bah, J'ai après, envie tu de vois, les c'est. réveiller, de les secouer, de leur dire, allez, les gars, c'est pas fini, c'est possible. Surtout que dans les mangas. Ils sont toujours tournés vers quelque chose comme ça, tu vois. Le héros, c'est toujours un mec flamboyant qui n'a pas peur de dire tous les trucs, d'exprimer ses émotions, c'est même sa plus grande force et tout. Donc je pense qu'au fond, C'est dans vrai que c'est leur. tout le contraire, ouais, de C'est la ça. société, parce qu'en fait, c'est l'individu n'existe pas, enfin, en général, tu vois, c'est vraiment le collectif, quoi, avant la vie. Ils vont pas Mais. s'affirmer, machin, ouais, machin, tu vois, c'est pas. Ouais. De manière générale, hein, après, je veux dire, voilà, c'est pas du 100%, mais je parle en général, quoi. Et est-ce que politiquement c'est mal vu l'individu ou c'est pas recherché quoi? Ouais, voilà. Bah. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Peut-être que la structure politique du pays elle encourage pas du tout ça, voire elle réprimande, tu vois? Ouais, je sais pas si c'est politique, je pense que c'est ancré en fait, hein, socialement, tu vois, depuis longtemps, quoi. C'est très ancré. Bah, c'est un pays qui a été pendant quand même plusieurs dizaines d'années, même plusieurs centaines d'années. Enfin, c'était quasiment la guerre civile, quoi, l'époque des shoguns, machin et tout. Donc à un moment donné, tu vois, pour unifier tout ça, il a quand même fallu que, on va dire, voilà, que l'individu il s'efface un peu, que ce soit le collectif qui prenne le dessus. Et je pense que c'est vraiment ancré, quoi, tu vois, profondément, ça, dans la culture. Bon, après, t'as toujours des mecs qui se baladent avec des cheveux orange à Shibuya, quoi, mais c'est marginal, tu vois. Ouais, du coup, c'est vraiment radical, quoi. Ça veut pas être léger, en gros. Ouais. Ah, c'est Ouais, fou. souvent. Après, voilà, c'est pas. Moi, j'aime pas faire des généralités, tu vois. Là, je suis en train de parler. En fait, j'aime pas faire des généralités comme ça, mais on va dire que ça correspond à 80% de la réalité du Oui, bah pays, en bien fait. Voilà. sûr, évidemment, tout ce qu'on dit, c'est une Ouais. tendance qui se. Re, qui Ouais. se... C'est comme Mais quand on comme je disais la parle du dernière fois, il y peuple a vraiment français, une tu vois. grosse différence après entre Tokyo, tu vois, la grande ville, et le reste, quoi. C'est presque pas le même mode de vie, hein. Très très différent, quoi. Tokyo et le reste, la campagne, c'est pas du tout pareil. Après, ils ont moins l'habitude de voir des gaijins dans certains coins, C'est quoi un hein, à la gaijin? campagne. C'est un étranger. Ok. Ouais. C'est un peu péjoratif, tu vois, mais en gros, c'est l'étranger, quoi. Ça dépend dans quel contexte tu le dis.
Tu dis, ah, Gaijin, tu vois, là, c'est ah, à l'étranger. Tu dis, ça dépend de comment tu le dis, mais ça peut avoir un aspect un peu négatif. Comme... Ok. Mais c'est pour ça, moi, je dis, quand j'y vais, souvent, je fais le gros Gaijin de base, tu vois. Pourquoi? Bah, on va dire, non, je respecte, tu vois, mais je suis quand même. Voilà, je suis pas japonais, quoi. Je suis français, j'ai mes trucs, donc je vais pas me. Comment dire, tu vois, je vais pas me limiter dans ma parole, dans mes trucs et tout. Je suis assez, en plus, je suis assez, même Naturel, ici, je suis assez brut, donc de décrochage. Au Japon, je change pas vraiment, tu vois. quoi. Et parfois, tu vois, ça choque un peu, mais bon. Ça t'a Mais pas bon, c'est causé comme de ça. Mais je soucis? crois que c'est bien aussi, tu vois, comme tu dis, c'est bien d'être aussi un peu soi-même et même, tu vois, bouger un peu tout ça, parce que t'as beaucoup de mecs, des Français, tu vois, qui vont au Japon, ou des étrangers. Les mecs, on dit souvent, tu sais, les mecs qui essayent de faire plus japonais que les Japonais. Et au final, moi, je trouve que c'est un peu ridicule parce qu'au fait, tu seras jamais japonais. C'est que je dis, pour eux, tu seras jamais. Même si t'es naturalisé japonais, que t'as la nationalité, au fond, tu seras jamais japonais. Donc, essayer de faire plus japonais que les Japonais, c'est un peu ridicule, quoi. Tu vois, Ça vaut dépend mieux être si les valeurs soi-même et. elles te parlent ou si t'es vraiment dans une volonté Ouais. juste Après, d'intégration alors que ça te parle pas, quoi. voilà, c'est ça. Ça veut pas dire être irrespectueux, machin, tu vois, tu m'intéresses, mais il faut être soi-même, quoi. Voilà. N'essaye pas de faire plus japonais que les japonais. C'est un peu ridicule, tu vois. Ça marchera pas. C'est Voilà. l'histoire de la grenouille qui se C'est un... voulait plus grosse que le bœuf. Ouais. Ouais, Bien, ouais. c'est un beau message de conclusion. Je vois que l'heure tourne et moi j'ai un patient qui arrive dans pas Ouais. longtemps, donc je vais Et devoir moi, j'ai des cartons à ranger encore. on va devoir filer, mais le message du jour c'était du coup soyez vous-même tout en continuant de respecter évidemment les valeurs des autres et en de vous en approprier quelques-unes pour déployer votre propre univers. En tout cas, et tout en mangeant de très très bonnes choses, évidemment. Surtout, Donc la surtout. prochaine fois, on attend des recettes. Ça c'est le deal. Moi. Je vais essayer de sortir une liste, une Ouais. petite liste. Bon, déjà 2-3 recettes, ce sera déjà cool. Ah, des trucs assez simples, tu sais, que tout le monde peut faire. Et si jamais Mais tu bon. cuisines quelque chose ou t'accompagnes et qu'à un moment t'as un petit plat appétissant, prends-le en photo, envoie-le à Thierry, il pourra le mettre sur Je vais faire ça. le petit Instagram de Prismagora TV pour montrer que grâce à Prismagora TV, votre assiette change également. Oh, on est sur Insta même. Ouais, on est Dans partout, le mais Insta Game. on est dans le Oh. futur. Ouais, Bon, en tout cas, merci à toi, Gilles. C'est toujours sympa de discuter tout ça. Je vais quand même aller me faire un bol parce que ça m'a donné grand faim. Mais je te souhaite écoute, pareil, hein. Pareil. une belle journée. Et puis, jeudi prochain ou jeudi d'ici 2 semaines, on vous tient au courant sur les réseaux, comme d'hab. On fera les présentations à l'oral. Matane. Matane.